Bon, là, on va remonter la tête complète. Donc, remettre le réservoir au niveau de la crépine qui est là. Remettre les vis. Donc, pas oublier de remettre le joint qui est là. Donc là, ça peut être triste. Donc là, bien le remettre bien vers le bas. Donc là, on va l'aider un peu. Le joint. Peut-être mieux à l'envers. Certainement, j'ai dû le mettre à l'envers. Donc là, clac. Un peu de triste à remettre ça. Ouf, je vais te mettre le joint avant. On va voir. Le remettre d'abord. Ah oui, possible. Hop là. Ah, c'est même certainement comme ça. Faut remettre le joint d'abord ici. Et après mettre ça. Hop là. Ah ouais, c'est ça. Hop là. Et là, on pousse. On n'aura plus qu'à revisser la vis de là, enfin celle-là et celle-là. Hop là. Enfin celle-là et celle-là. Donc déjà, le réservoir est remonté. Propre. On va nettoyer le guide. Donc, le guide qui est là. La chaîne. Ça coûte tout fait. Voilà. C'est bon. On va y passer dans les rainures. Petit morceau de téflon comme ça là. On va les remettre. Donc, un là. Et un là. Voilà. Et remettre la chaîne à la droite. Donc là. Hop. Hop. Donc là, on le remet là. Là. On va remettre au niveau du trou. Là. La redenter. On va remettre le cache là, bon, le boulon,
l'article. Voilà, c'est pas mal. Hop là. Donc, on va mettre de côté avec le moteur. Bon, on va tester le tube. Donc j'ai mis ça ici. Je vais actionner la barre derrière. Hop, ouais, c'est bon. C'est bien raccordé. On va pouvoir tout remonter. Bon, là je vais y remonter la tête. Alors attends. Faut que ça vienne là. Pas trop. Là. Donc, on y remet la tête droite, là, là, là c'est dedans. Donc là, il faut bien aligner ça avec ça. Ici là, faut bien l'aligner. Une fois que c'est bien aligné, on revisse. Là. Donc, le moteur, hop. Avant de mettre le moteur, tu peux t'appuyer. Ça. Là. On met le câble. Là. Ok. Ça c'est parfait. Et on met le câble à sa place. Là. Là, on va appuyer comme il faut.